Crown. Pourquoi est-ce qu'on m'a amené ici? Tu vois quelque chose, Aiden? Une entité. Elle a massacré les soldats du fort. Est-ce que c'est Yeitso? L'arbre fourchu. Je dois le trouver. J'ai vu dans mes visions. Il y a rien ici. Des masques rituels. Ils ont été tués par l'entité. Merci, Aiden. Bizarre. Celui-là n'a pas de talisman. Le cinquième talisman.
Il l'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. Que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose. Dépend de vous, Paul. Comme sa mère avant elle.
elle m'a aussi donné ceci. Le cinquième talisman. Je dois bien regarder, mémoriser tous les détails. Vos ancêtres. Ils invoquaient Yeitsu ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils sont occupés à eux. Il avait encore soif. Soif de sang. Yeitsu est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres, ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. Jody, il faut qu'on y aille! La tempête arrive! Laisse-la faire, Jay! Shima-Sani? Tu peux parler? Vite, Jody!